In this lesson, we will listen to one simple story in French. It is perfect for all beginners. The lesson will follow a familiar format. We will start by listening to the text with subtitles. Then we'll go through the parts of the text with translation. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. La valeur de la famille. Lucia était une fille de Ninan, très active et curieuse. Elle vivait dans une grande maison avec son papa, sa maman et son petit frère, Juan. Malgré le fait d'avoir une famille aimante, parfois Lucia se sentait seule. Un jour, alors que ses parents étaient occupés au travail et que Juan jouait avec ses amis, Lucia décida de faire quelque chose d'excitant toute seule. Elle regarda autour d'elle et quand elle ne trouva personne avec qui jouer, elle eut une idée. Elle pensa qu'elle pourrait trouver une nouvelle famille qui voudrait toujours jouer avec elle et lui donner plus d'attention. Sans rien dire à personne, elle remplit un petit sac à dos avec son animal en peluche préférée, et une photo de sa famille. Avec détermination dans son regard, elle quitta la maison et se lança dans sa quête. Elle traversa la ville, passant par des parcs et des rues, s'arrêtant pour parler à des gens sympathiques à qui elle demandait s'ils voulaient être sa nouvelle famille. Mais, l'un après l'autre, ils lui dirent tous gentiment, Qu'ils avaient déjà leur propre famille. Avec le cœur un peu lourd, Lucia poursuivit sa quête à la recherche d'une famille qui l'accepterait. Elle ne savait pas que son aventure la mènerait à une leçon importante sur la famille et l'amour. Lucia a marché à travers la ville pendant des heures, demandant aux étrangers s'ils voulaient être sa nouvelle famille. Cependant, ils lui ont tous gentiment dit qu'ils avaient déjà leur propre famille. En se déplaçant à travers la ville, elle commença à se sentir un peu triste et seule. Elle réalisa que, malgré le fait d'être entourée de gens, elle n'avait trouvé personne qui l'accepterait comme faisant partie de leur famille. Au cours de son voyage, Lucia rencontra un gentil vieil homme nommé Don Carlos. Lucia partagea son histoire avec lui et lui demanda s'il pouvait être son nouveau grand-père. Don Carlos, avec un sourire compréhensif, lui expliqua que les familles étaient spéciales et ne pouvaient pas être changées comme si elles étaient des vêtements. Il conseilla à Lucia qu'au lieu de chercher une nouvelle famille, elle devrait parler à la sienne. Et exprimer ses sentiments. Il lui a dit que les familles peuvent être imparfaites, mais qu'elles sont inestimables et uniques dans leur amour. Avec ces paroles sages, Lucia commença à réfléchir sur sa quête et sur ce que la famille signifiait vraiment pour elle. Bientôt, elle prendrait une décision qui changerait le cours de son aventure. Lucia continua de marcher après sa conversation avec Don Carlos, mais cette fois avec un esprit plein de pensées et d'émotions. Elle commença à se rappeler tous les moments heureux qu'elle avait partagés avec sa famille et il lui manquait énormément. Finalement, elle en vint à la conclusion que sa famille était unique et spéciale. Bien qu'il soit parfois occupé, il l'aimait toujours et s'occupait d'elle. Elle réalisa qu'elle ne voulait pas trouver une nouvelle famille, mais renforcer les liens avec la sienne. Elle décida de rentrer chez elle et de parler à sa famille. Quand elle arriva chez elle, sa famille l'accueillit à bras ouverts et la serra chaleureusement dans ses bras. Lucia leur expliqua comment elle s'était sentie et exprima son désir de passer plus de temps ensemble. Sa famille comprit son message et promit de faire des efforts pour passer plus de temps de qualité ensemble. Lucia apprit une leçon précieuse que les familles peuvent avoir des hauts et des bas, mais la chose la plus importante est l'amour et le soutien qu'elles ont les unes pour les autres. Elle réalisa que sa famille était son chez-soi et son sanctuaire, et elle ne la changerait pour rien au monde. Avec cette nouvelle perspective, Lucia se sentait plus heureuse et plus complète que jamais. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. La valeur de la famille. The value of family. Lucia était une fille de Ninan, très active et curieuse. Lucia was a nine-year-old girl, very active and curious. Elle vivait dans une grande maison avec son papa, sa maman. And son petit frère Juan. She lived in a big house with her dad, mom, and her little brother Juan. Malgré le fait d'avoir une famille aimante, Despite having a loving family, parfois Lucia se sentait seule. Sometimes Lucia felt lonely. Un jour, Alors que ses parents étaient occupés au travail, One day, while her parents were busy with work, et que Juan jouait avec ses amis. And Juan was playing with his friends, Lucia décida de faire quelque chose d'excitant toute seule. Lucia décida de do something exciting d'excitant her own. Elle regarda autour d'elle. Et quand elle ne trouva personne avec qui jouer, and when she find to play with, elle eut une idée. She had elle pensa qu'elle pourrait trouver une nouvelle famille she thought she might find a new family, qui voudrait toujours jouer avec elle that would always want to play with her et lui donner plus and give her more attention sans rien dire à personne without oh. telling anyone elle remplit un petit sac à dos avec son animal en peluche préféré she packed a small backpack with her favorite stuffed animal et une photo de sa famille and a photo of her family Avec détermination dans son regard With determination in her gaze Elle quitta la maison et se lança dans sa quête She left home and embarked on her quest Elle traversa la ville passant par des parcs et des rues She walked through the city Passing by parks and streets, s'arrêtant pour parler à des gens sympathiques Stopping to talk to friendly people a qui elle demandait s'il voulait être sa nouvelle famille Whom she asked if they wanted to be her new family, mais l'un après l'autre, But one after another. Ils lui dirent tous gentiment qu'ils avaient déjà leur propre famille. Avec le cœur un peu lourd, With a heavy heart, Lucia poursuivit sa quête. Lucia continued her quest. à la recherche d'une famille qui l'accepterait. in search of a family that would accept her Elle ne savait pas que son aventure Little did she know that her adventure l'amènerait à une leçon importante sur la famille et l'amour would lead her to an important lesson about family and love Lucia a marché à travers la ville pendant des heures Lucia walked through the city for hours Demandant aux étrangers s'ils voulaient être sa nouvelle famille. If they wanted to be her new family. Cependant, however, ils lui ont tous gentiment dit qu'ils avaient déjà leur propre famille. That they already had their own families. En se déplaçant à travers la ville, as she moved through the city, elle commença à se sentir un peu triste et seule. She began to feel a little sad and lonely. Elle réalisa que. She realized that. Malgré le fait d'être entourée de gens, Despite being surrounded by people, elle n'avait trouvé personne qui l'accepterait comme faisant partie de leur famille. Au cours de son voyage, On her journey, Lucia rencontra un gentil vieil homme nommé Don Carlos. Lucia met a kind elderly man named Don Carlos. Lucia partagea son histoire avec lui. Lucia shared her story with him. Et lui demanda s'il pouvait être son nouveau grand-père. and asked if he could be her new grandfather. Don Carlos, avec un sourire compréhensif, Don Carlos, with an understanding smile, lui expliqua que les familles étaient spéciales. explained to her that families were special and ne pouvaient pas être changées comme si elles étaient des vêtements. and couldn't be changed as if they were clothes. Il conseilla à Lucia qu'au lieu de chercher une nouvelle famille, He advised Lucia that instead of searching for a new family, elle devrait parler à la sienne. She should talk to her own et exprimer ses sentiments. and express her feelings. Il lui a dit que les familles peuvent être imparfaites. He told her that families may be imperfect. Mais qu'elles sont inestimables et uniques dans leur amour. But they are invaluable and unique in their love. Avec ces paroles sages. With these wise words. Lucia commença à réfléchir sur sa quête. Lucia began to reflect on her quest. Et sur ce que la famille signifiait vraiment pour elle. And what family really meant to her. Bientôt, elle prendrait une décision qui changerait le cours de son aventure. Soon she would make a decision that would change the course of her adventure. Lucia continua de marcher après sa conversation with Don Carlos Lucia continued walking after her conversation with Don Carlos, Mais cette fois, but this time with an esprit plein de thoughts et emotions. With a mind full of thoughts and emotions, elle commença à se rappeler she began to remember tous les moments heureux qu'elle avait partagé avec sa famille All the happy moments she had shared with her family et il lui manquait énormément And missed them greatly finalement, elle en vint à la conclusion. Que sa family était unique et special, finally, she came to the conclusion that her family was unique and special, bien qu'il soit parfois occupés, even though they were sometimes busy, il toujours and s'occupait d'elle They always loved. And cared for her. Elle réalisa qu'elle ne voulait pas trouver une nouvelle famille. She realized she didn't want to find a new family. Mais renforcer les liens avec la sienne. But strengthen the bonds with her own. Elle décida de rentrer chez elle et de parler à sa famille. She decided to go back home and talk to her family. Quand elle arriva chez elle, When she arrived home, sa famille l'accueillit à bras ouverts. Her family welcomed her with open arms et la serra chaleureusement dans ses bras. and hugged her warmly Lucia leur expliqua comment elle s'était sentie. Lucia told them how she had felt. Et exprima son désir de passer plus de temps ensemble. And expressed her desire to spend more time together. Sa famille comprit son message. Her family understood her message. Et promit de faire des efforts. And promised to make an effort Pour passer plus de temps de qualité ensemble. To spend more quality time together. Lucia a pris une leçon précieuse. Lucia learned a valuable lesson. Que les familles peuvent avoir des hauts et des bas. That families can have ups and downs. Mais la chose la plus importante est l'amour et le soutien qu'elles ont les unes pour les autres. Elle réalisa que sa famille était son chez-soi et son sanctuaire. Elle réalisa que sa famille était son home et son sanctuaire. Et elle ne la changerait pour rien au monde. Avec cette nouvelle perspective, With this new perspective, Lucia se sentait plus heureuse et plus complète que jamais. Lucia felt happier and more complete than ever. Finally, we will listen to the text again, without subtitles and without translation, and answer the questions. La valeur de la famille. Lucia était une fille de Ninan, très active et curieuse. Elle vivait dans une grande maison avec son papa, sa maman et son petit frère, Juan. Malgré le fait d'avoir une famille aimante, parfois Lucia se sentait seule. Un jour, alors que ses parents étaient occupés au travail et que Juan jouait avec ses amis, Lucia décida de faire quelque chose d'excitant toute seule. Elle regarda autour d'elle, et quand elle ne trouva personne avec qui jouer, elle eut une idée. Elle pensa qu'elle pourrait trouver une nouvelle famille qui voudrait toujours jouer avec elle et lui donner plus d'attention. Sans rien dire à personne, elle remplit un petit sac à dos avec son animal en peluche préféré et une photo de sa famille. Avec détermination dans son regard, elle quitta la maison et se lança dans sa quête. Elle traversa la ville, passant par des parcs et des rues, s'arrêtant pour parler à des gens sympathiques à qui elle demandait s'ils voulaient être sa nouvelle famille. Mais, l'un après l'autre, ils lui dirent tous gentiment qu'ils avaient déjà leur propre famille. Avec le cœur un peu lourd, Lucia poursuivit sa quête à la recherche d'une famille qui l'accepterait. Elle ne savait pas que son aventure la mènerait à une leçon importante sur la famille et l'amour. Lucia a marché à travers la ville pendant des heures demandant aux étrangers s'ils voulaient être sa nouvelle famille. Cependant, ils lui ont tous gentiment dit qu'ils avaient déjà leur propre famille. En se déplaçant à travers la ville, elle commença à se sentir un peu triste et seule. Elle réalisa que, malgré le fait d'être entourée de gens, elle n'avait trouvé personne qui l'accepterait comme faisant partie de leur famille. Au cours de son voyage, Lucia rencontra un gentil vieil homme nommé Don Carlos. Lucia partagea son histoire avec lui et lui demanda s'il pouvait être son nouveau grand-père. Don Carlos, avec un sourire compréhensif, lui expliqua que les familles étaient spéciales et ne pouvaient pas être changées comme si elles étaient des vêtements. Il conseilla à Lucia Qu'au lieu de chercher une nouvelle famille, elle devrait parler à la sienne et exprimer ses sentiments. Il lui a dit que les familles peuvent être imparfaites, mais qu'elles sont inestimables et uniques dans leur amour. Avec ces paroles sages, Lucia commença à réfléchir sur sa quête et sur ce que la famille signifiait vraiment pour elle bientôt elle prendrait une décision qui changerait le cours de son aventure lucia continua de marcher après sa conversation avec don carlos mais cette fois avec un esprit plein de pensées et d'émotions elle commença à se rappeler tous les moments heureux qu'elle avait partagés avec sa famille et il lui manquait énormément finalement elle en vint à la conclusion que sa famille était unique et spéciale. Bien qu'il soit parfois occupé, il l'aimait toujours et s'occupait d'elle. Elle réalisa qu'elle ne voulait pas trouver une nouvelle famille, mais renforcer les liens avec la sienne. Elle décida de rentrer chez elle et de parler à sa famille. Quand elle arriva chez elle, sa famille l'accueillit à bras ouverts et la serra chaleureusement dans ses bras. Lucia leur expliqua comment elle s'était sentie et exprima son désir de passer plus de temps ensemble. Sa famille comprit son message et promit de faire des efforts pour passer plus de temps de qualité ensemble. Lucia apprit une leçon précieuse que les familles peuvent avoir des hauts et des bas, mais la chose la plus importante est l'amour et le soutien qu'elles ont les unes pour les autres. Elle réalisa que sa famille était son chez-soi et son sanctuaire, et elle ne la changerait pour rien au monde. Avec cette nouvelle perspective, Lucia se sentait plus heureuse et plus complète que jamais. Now we will listen to 3 simple questions and reinforce the lesson by reviewing vocabulary. Try to answer the questions in the comments. Pourquoi Lucia a-t-elle décidé de chercher une nouvelle famille? Qui est Don Carlos et que lui a-t-il conseillé? Quelle leçon Lucia a-t-elle apprise à la fin de son aventure? La famille. Family. une fille girl des années years une maison house un papa dad une maman mom un petit frère little brother le travail work l'amour love un jour day excitant exciting un sac à dos backpack un animal en peluche Stuffed animal une photo photo la détermination determination une quête quest une ville city un parc park une rue street des gens people le cœur heart une leçon lesson des heures hours des étrangers strangers La tristesse. Sadness. Un voyage. Journey. Un vieil homme. Old man. Un grandpère. Grandfather. Un sourire. Smile. Une perspective. Perspective. If you like this way of learning, please subscribe and write your impressions in the comments.